unsere ewige Glückseligkeit zur größeren Ehre Gottes vorbereiten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, ce troisième dimanche de l'Épiphanie, au bréviaire, nous lisons l'Épître aux Galates avec le passage si connu et si important. Après que saint Paul exprime son étonnement envers les Galates, n'est-ce pas ? Il s'étonne comme il était possible que les Galates, en si peu de temps, aient changé de religion, pour ainsi dire, parce qu'ils étaient en train de se faire convaincre par les judaïsants. Eh bien, après cela, il y a cette fameuse phrase « Si moi-même ou un ange vous annoncerait un autre évangile, anathema sit, il soit exclu, réprouvé. » Eh bien, ce n'est pas un évêque distrait quelconque, c'est le prince des apôtres qui parle, n'est-ce pas? Et alors, ce dimanche est vraiment indiqué pour rappeler les arguments de fond qui font si que le traditionnaliste, le vrai traditionnaliste, le traditionnaliste qui agit dans la foi, qui agit par la foi et dans la charité, et donc qui peut dire de soi-même que Jésus-Christ est en lui, et qui donc peut espérer d'opérer son salut pour la gloire de Dieu, eh bien pour ces traditionalistes, ces paroles de saint Paul sont une très grande consolation. Et sont aussi un argument de fond pour refuser non seulement l'Église conciliaire avec sa nouvelle doctrine, avec ses nouveaux, il faut bien le dire, sacrements invalides, peut-être quelques rares exceptions de prêtres très anciens qui dispensent encore des sacrements valides, eh bien, non seulement pour refuser cette nouvelle Église, mais aussi pour refuser une erreur dans le monde de la tradition qui veut s'entêter, n'est-ce pas, de reconnaître comme légitime successeur de Saint-Pierre des hommes qui ont été déjà anathémisés par Saint-Paul. Pourquoi ? Pourquoi pouvons-nous affirmer que ces gens sont anathèmes ? Par une simple raison. Je prends l'exemple de l'hébreu de l'évangile de ce jour qui reçoit l'ordre de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de se faire voir auprès des prêtres, n'est-ce pas ? Et saint Jérôme commente que tout d'abord c'est un acte de déférence d'imposer le silence aux guéris, c'est-à-dire d'en parler avec personne, non pas qu'il pouvait le tenir caché, le fait d'être guéri, parce que tout le monde le voyait, mais n'en parle à personne, va tout de suite chez les prêtres, ils doivent te voir, fais l'offrande prévue par la loi, et comme ça tu donneras à ces prêtres l'occasion de croire. Et saint Jérôme ajoute, s'ils croient, ils sont sauvés, s'ils ne croient pas, ils sont condamnés. Et c'est la phrase de l'évangile, qui croit est sauvé, qui ne croit pas, n'est-ce pas, est déjà condamné. C'est-à-dire, c'est pratiquement un jugement de condamnation sans procès. Comment est-ce possible ? Et c'est possible parce que c'est comme une confession du crime. Et voyez, nous devons rappeler que lorsque
Les soi-disant conservateurs nous disent « Vous ne pouvez pas juger parce que prima sede sanemine judicator. Le premier, la place dans l'Église ne peut être jugée par personne. Toi, tu n'as pas le droit de dire que lui est un hérétique, qu'il est hors de l'Église. Tu dois attendre un futur pape qui, avec un tribunal ecclésiastique, n'est-ce pas, fait le procès et déclare « Bergoglio, Ratzinger, Voitil, c'est des hérétiques et pour cela hors de l'Église. » Je réponds « Non. Faux. Hors sujet. » Parce que ici, on ne demande pas aux Galates, aux Corinthiens, de se ériger en juge de ces faux apôtres. Ici, on leur demande de juger selon ceux qu'ils savent déjà et ceux qu'ils sont, c'est-à-dire des catholiques, des baptisés en Jésus-Christ. Et on leur demande et on exige d'eux d'être capables de reconnaître si la foi prêchée par ces pseudo-apôtres est la foi en Jésus-Christ, de l'évangile prêché par Jésus-Christ, oui ou non. Et on leur demande, aux Galates comme aux Corinthiens, de n'arriver pas à une conclusion et un jugement par voie de procès ecclésiastique, mais par voie de simple raisonnement. Savoir, que dit-il publiquement, corum populo, devant tout le monde ? Dit-il ce que Jésus-Christ a révélé ? Dit-il ce que les autres apôtres prêchent sur ordre de Jésus-Christ ? Oui ou non ? Si oui, il est apôtre, sinon, il est déjà jugé, il est déjà dehors, il est déjà anathème. Et il est très important, ce troisième dimanche, de rappeler cette grande vérité. Oui, si moi-même ou un ange venait vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème, dit saint Paul, quelqu'un pourra dire, oui, mais c'est une façon de dire, pour ensuite le déclarer anathème, n'est-ce pas, il faut un tribunal ecclésiastique, il faut qu'il soit jugé par une autorité supérieure, et ce n'est pas le simple Galate ou le simple Corinthien qui peut juger si ce apôtre qui se présente comme tel est anathème ou non. Réponse, oui, il le peut, il le doit. Et même si c'était saint Paul lui-même qui prêchait un autre évangile, le Galate ou le Corinthien ou le Romain non seulement peut, doit juger. Pas par un jugement de sentence de tribunal, mais par un jugement de foi. Autrement, comment pouvait-il, saint Paul, écrire, n'est-ce pas, à la fin de la deuxième lettre aux Corinthiens, lorsque il avait traité le même sujet, les judaïsants, n'est-ce pas, qui voulaient porter les chrétiens à pratiquer de nouveau la loi mosaïque. Comment pouvait-il dire, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne savez-vous peut-être pas vous-même si le Christ est en vous ? Qu'est-ce que ça veut dire, ces paroles de saint Paul ? On aurait pu s'attendre que saint Paul dise « Puisque je dois venir ramasser les sous pour les pauvres à Jérusalem, eh bien je vous ferai une interrogation de catéchisme. Et je vous interrogerai si encore vous connaissez l'évangile que je vous ai prêché. Et puis je vous donnerai une note. Et qui a zéro n'a rien compris. » Non ? Il dit, vous-même, vous faites l'interrogation. Vous-même, vous vous interrogez vous-même si vous êtes catholique, si vous professez la foi catholique, et non seulement. Après avoir fait, n'est-ce pas, la partie théorique, si vous avez examiné que vous professez la foi catholique, prouvez-vous vous-même, c'est-à-dire examinez vos actions, si vos actions sont vraiment des actions vécues par la foi et dans la charité, comme explique saint Augustin. Et cette explication que je suis en train de vous dire, c'est le commentaire de saint Thomas, qui fait ci donc que le Galate ou le Corinthien peut connaître
par lui-même si Jésus-Christ est en lui. Alors, s'il est capable de reconnaître ceci, comme s'il est capable de reconnaître qu'il ne professe pas la foi catholique, qu'il ne vit pas de la foi catholique, alors il est aussi capable de reconnaître si un autre publiquement professe une foi qui est autre de celle prêchée et révélée par Jésus-Christ et prêchée par les apôtres. Mais par force, la difficulté de la question est qu'elle est presque évidente. La difficulté de la question est qu'on doit rappeler, et on le fait toutes les années, que même en ce qui concerne le droit, c'est-à-dire la façon de procéder dans un tribunal ecclésiastique, vous voyez, quand il y avait l'Inquisition, alors on faisait l'Inquisition, on allait à chercher. Pourquoi ? Parce qu'il y a le suspect, il y a le doute que peut-être M. Dupont, on ne sait pas, mais en cachette, il est en train de professer notre foi. Alors, M. Dupont, qu'est-ce que vous faites là ? Inquisition. Mais si M. Dupont se met en place du village et à haute voix professe une autre foi, une hérésie, il n'y a pas besoin d'inquisition, parce que le fait est connu par tout le monde. C'est pour cela qu'il professe la foi publiquement, se professe catholique, et n'a pas besoin d'un procès qui fait une sentence qu'il est catholique. Et de même la chose, celui qui professe publiquement une foi contraire à la foi catholique, qui renie sa foi catholique, il n'y a pas besoin de procès pour savoir qu'il est déjà jugé. Il ne faut pas confondre les deux niveaux, c'est pas celui du juridique des tribunaux et celui du fait qui précède d'ailleurs nécessairement un jugement. Et c'est pour ça que je n'ai pas besoin d'attendre Pie XIII qui confirmera avec toute son autorité de façon solennelle que ceci n'était pas l'Église catholique et que c'était pire. Plus loin encore de l'hérésie et le schisme des orientaux. Je suis apte et j'ai le devoir de le constater et de le dire et ensuite d'agir en conséquence. C'est pour cela, fort de ce troisième dimanche, non seulement nous rejetons cette contre-église avec ses faux sacrements et qui maintenant propage même le sacramentaire satanique d'un soi-disant vaccin qui n'est pas vaccin. Non seulement ceci, nous rejetons, mais nous rejetons aussi un faux traditionnalisme qui s'entête, n'est-ce pas, à vouloir à tous les coups nommer catholique ceux qui ne le sont pas. Nommer catholique une société qui ne l'est plus. Non. Et ceci non pas pour rendre le mal avec le mal, ceci non pas par rancœur, ceci non pas par esprit d'orgueil, ceci par conviction que si nous ne restons pas avec toutes nos fibres attachées à l'unique vraie Église, à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et au sacrement valide, nous ne sommes même pas dans les conditions de pouvoir rendre le bien au mal reçu. Nous ne serons même pas capables de ramasser des carbons ardents sur la tête de nos ennemis, et ainsi de suite. Et donc, nous refusons les accuses qui nous sont faites. Et en conclusion, peut-être, je rappelle, nous justifions et nous défendons, nous prenons les défenses de la façon d'agir de Mgr Lefebvre, que nous jugeons avoir agi en prudence et en sagesse sans la contradiction qu'on lui reproche d'avoir d'une part dit que c'est le pape et d'autre part ne lui avoir pas obéi. C'est une fausse contradiction qu'on lui reproche. Parce qu'il y avait une prémisse. Cette prémisse valait dans la fraternité jusqu'en 2008.
d'après ce qu'il dit et ce qu'il fait, puisque ce n'est pas catholique, le moins que nous devons dire, nous avons un doute, n'est-ce pas, qu'il soit le légitime successeur. Basta. Et c'est pour cela, sa façon d'agir était absolument cohérente et n'a rien à voir avec la façon odierne, surtout depuis le 2008, n'est-ce pas, d'agir de la Fraternité Saint-Pédis, qui là vraiment fait le cercle carré en déclarant l'hérésiarque catholique et en lui attribuant en plus la plus haute charge dans l'Église, dans la succession de Saint-Pierre. Ça, c'est une contradiction. C'est une contradiction incohérente dans les termes. Que la très sainte Vierge Marie nous obtienne la grâce d'examiner notre foi, d'examiner notre conduite, afin que dans la foi catholique, nous puissions vivre animés par la charité pour faire notre salut et la gloire de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.